Amine Lamas, bonsoir. Donc là, je reviens d'une discussion avec Gundil qui est toujours viré de Facebook. La semaine prochaine, le 4 et 5, je suis sur Paris. Paris avec mon coach, pourquoi? Parce qu'on a un petit projet, on vous en parlera un peu plus tard, avec une personne, enfin voilà, ça sera intéressant, vous verrez tout ça. Donc abonne-toi parce que franchement, je trouve que c'est lourd. Ça peut amener ensuite de bonnes choses par la suite. Là, Gundil, je lui dis, ça te dirait, on fasse un podcast. Ben, il est toujours chaud, Gundil, tu vois, donc c'est cool. Sauf que là, ça sera en live de chez lui. Donc c'est ça la petite nouveauté. Et d'ailleurs, j'ai d'autres projets vidéo avec lui par la suite. En attendant, mercredi prochain, vers 18h30, à peu près, si tout va bien. Live YouTube chez lui, on répond à tes questions, donc il faudra t'abonner en masse hein, pour pouvoir soutenir le projet et poser tes questions. Et donc ça me fait plaisir de revenir hein, pour des podcasts de qualité. Hein. À chaque fois on reproche la qualité du son, mais bon, le problème c'est que Mac, pour ceux qui connaissent, il enregistre le son qui vient du micro et le son du haut-parleur qui se répercute sur le micro. Ça fait un son dégueulasse. Là, grâce à vos dons indirects évidemment, parce que tous ceux qui me soutiennent, notamment à travers Prozis, et ceux qui regardent aussi les publicités sur YouTube, ça permet d'économiser un petit peu. Et petit à petit, j'ai pu acheter d'occasion, hein, mais en tout cas un Mac Pro, pas un MacBook Pro, mais un Mac Pro. Je reste sur Mac parce que je suis habitué à Final Cut. Et de façon à ce que ça puisse améliorer considérablement, d'après ce qu'on m'a dit, la qualité des podcasts, et notamment les podcasts en live vidéo. Donc il faut que j'apprenne ensuite à maîtriser tout ça. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Je dois acheter ensuite un micro et une nouvelle webcam. Donc si t'as des conseils, n'hésite pas dans les commentaires à me les donner, hein, des conseils de voilà, du matos sur le micro. Etc., etc. Enfin voilà, en attendant, cette vidéo-là qui est une vidéo provisoire, hein, qui sera supprimée par la suite, c'est une vidéo donc où tu vas pouvoir mettre tous tes commentaires par rapport à la chaîne, à savoir tout ce que tu souhaites voir arriver par la suite, ce que tu préfères, ce que tu n'aimes, ce que tu n'aimes pas, pourquoi tu es abonné, pourquoi tu regardes des vidéos mais t'es pas abonné. Tout ça, tu peux le dire sans souci, je prends tout, et en fait ça va m'aider aussi à améliorer un petit peu le concept, à virer tout ce que, enfin virer, à ne plus faire les vidéos qui sont nulles. Voilà, j'ai testé plein de choses, j'essaie de varier les choses, et voilà, toujours est-il qu'on garde toujours l'esprit Cher Fitness, on reste nous-mêmes, on n'est pas mieux que d'autres, on n'est pas moins bien non plus, mais voilà, on reste nous-mêmes des simples pratiquants passionnés et basta. Voilà, donc en tout cas, ça me fait plaisir de revoir Michael parce que ça fait un petit moment. Je serai amené à me déplacer un peu plus souvent sur Paris, et donc avec le doc, etc. Je pense qu'on va faire pas mal de vidéos parce que je sais que vous aimez ça, et voilà. L'idée c'est de faire aussi des featuring, donc également dans les commentaires, n'hésite pas à me dire avec qui tu souhaites qu'on fasse des featuring. Alors idéalement, pourquoi on fait des featuring, hein, faut pas en plus mentir, les featuring c'est pour, voilà, tu penses que tu fais du bon travail, et donc l'idée c'est de faire de la pub soit à la communauté d'un autre youtubeur ou une personnalité, etc. Et de façon à te faire connaître. Voilà, donc l'idée c'est ça. Mais en même temps, il faut que la vidéo soit intéressante, il faut que ce soit. C'est pas une vidéo style motivation, machin, ça m'intéresse pas. Ce que je souhaite, moi, c'est faire des vidéos avec des personnes qui ont des choses à dire, des personnalités, voilà, des choses qui peuvent vous apporter aussi. Et tout simplement. Donc, en gros, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi sur le précédent live, il y a des vidéos donc, qui vont arriver. Donc, je deviens bodybuilder. Hein, ça continue. Et là, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis passé de 120 kilos à un physique un peu mieux actuellement, beaucoup mieux même. Et donc là, on attaque enfin la sèche, donc une vraie sèche de pré-compétition. Donc, voilà, on annoncera après par la suite ce qu'il en est. J'espère que la santé va, ça va tenir. Je fais ça encore une fois pas pour me prouver des choses, pas pour faire la star ou je ne sais quoi. L'idée c'est de, voilà, j'ai voulu tester par moi-même ce que vivait un bodybuilder, et ça prend du temps en fonction de mon planning, de ma vie perso, des pépins, etc., du budget, et voilà, il faut pas oublier tout ça. Et j'arrive bientôt, ben, j'ai 38 ans aussi en septembre, donc ça compte aussi. Voilà. Aux 50 000 abonnés, je te l'annonce maintenant parce que c'est une vidéo provisoire, mais 50 000 abonnés, je ferai enfin une vidéo qui t'expliquera vraiment tout ce que je pense de toutes les molécules que j'ai pu prendre. Tout ça dans un but pédagogique, parce que malheureusement, j'en vois beaucoup qui prennent tout et n'importe quoi, qui gobent tout et n'importe quoi. Et moi, je vais dire concrètement ce que ça a fait sur moi, et surtout les effets négatifs que ça a fait. Parce que la vidéo où j'explique déjà les effets secondaires, ça en a dissuadé plus d'un, et j'en suis très très heureux. Mais finalement pas assez, parce que t'as encore des mecs qui m'écrivent pour des conseils, etc., chose que je ne donne pas, c'est complètement interdit, je veux dire, c'est pas ça le but de la chaîne. Mais voilà, donc à 50 000 abonnés, je le ferai, donc il y a le temps, hein, t'inquiète pas, à mon avis t'auras peut-être 20 ans de plus d'ici là. Voilà, non mais voilà, c'est la petite annonce, parce que je voulais le faire.
Je peux t'annoncer aussi qu'on va refaire un podcast avec Marc-Antoine Gondin. Je vais essayer de le faire en live aussi sur YouTube, de façon à ce que tu puisses intervenir en direct, si les moyens techniques nous le permettent. Et puis voilà, ça c'est vraiment les choses qui vont arriver rapidement. Et par la suite, selon ce que tu vas me proposer, selon les featuring que je peux organiser, les événements, etc. Voilà, j'ai toujours fait des vidéos conseils, des vidéos actus aussi. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je te donne rendez-vous encore une fois mercredi prochain pour le podcast avec Michael Gundil. Et puis j'espère qu'il y aura le reste de la team. J'ai proposé à Fred aussi de participer. J'espère qu'il le pourra. Ça sera donc parce que j'arrive chez lui vers 18h, donc le temps qu'on s'installe, etc. 18h30 voire 19h. Donc je te conseille de t'abonner à mon Instagram, Aiki-Cherfitness, parce que c'est bien bien souvent sur ce réseau-là que je communique le plus et en temps réel. Donc je te dirai s'il y a un petit pépin, si je te dis dans une demi-heure ça démarre, au moins tu seras au courant. Voilà. Donc en tout cas, une fois, merci pour tous ceux qui soutiennent. Grâce à vous, je vais pouvoir enfin améliorer un petit peu le matériel, et surtout grâce à vos retours sous cette vidéo, je vais pouvoir aussi améliorer le contenu. N'hésitez pas aussi pour le doc. Le doc, il fait des vidéos qui ont beaucoup beaucoup de vues. Il y a des vidéos qui ont pas beaucoup de vues. Alors c'est bien dommage, parce que franchement, même moi, les vidéos que j'ai fait récemment, là, c'est des vidéos qui sont extrêmement travaillées, dans le sens où ça demande beaucoup d'efforts pour le montage. Et c'est des vidéos courtes pourtant, mais il faut que ce soit dynamique, etc. Mais bon, après c'était les vacances, donc je sais pas. Dites-moi. Mais c'est vrai que même le doc, il a besoin de vos retours. Qu'est-ce qui vous plaît, vous plaît pas? Des vidéos plus courtes. Est-ce que c'est il faut nous dire, parce que de toute façon cette chaîne on la fait pas que pour nous, c'est aussi pour vous, sinon ça n'a aucun intérêt, sinon je mets toutes les vidéos en privé et puis je kiffe à les regarder tout seul, tu vois. Donc l'idée c'est que ça vous plaise aussi, donc on a besoin de vos retours pour démarrer cette rentrée correctement et pour permettre enfin de décoller, parce que encore une fois on calculait rien du tout auparavant, on refusait des feats ou machin, on voulait monter par nous-mêmes, on s'en foutait quoi, et on se rend compte que si on veut diffuser des bonnes choses, eh bien on doit gagner en visibilité, et pour gagner en visibilité il faut comprendre ce qui plaît, ce qui ne plaît pas aux gens. Pourquoi vous êtes abonné, pourquoi vous vous désabonnez, il faut le dire aussi, parce que certains sont désabonnés mais regardent quand même les vidéos d'après les statistiques. Pourquoi vous regardez une vidéo puis d'un coup vous décrochez, qu'est-ce qui manque, voilà, il ne faut pas hésiter, et on fera en fonction de ça avec le doc. Après on fera une petite réunion, tu vois, de crise, et on essaiera un petit peu d'améliorer tout ça. Donc là, dans l'immédiat, moi je sais que les podcasts, je vais en faire un beaucoup plus. Il y a des podcasts toujours avec la team entre guillemets Cher Fitness, avec le Doc de la Vie, Jean Chiella, Gundil. Mais il y aura aussi des podcasts, des fois on sera plus que deux, voilà, parce que ce sera une personnalité qui aura des choses intéressantes à dire. Ce sera pas très très long, ce sera des podcasts assez courts, mais voilà, c'est parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire et ils ont pas assez la parole, ou alors ils ont pas une grosse grosse communauté. Nous, elle est pas énorme non plus, mais elle est quand même, voilà, on est presque aux 30 000 abonnés, donc voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît, hein, cette idée de faire un podcast en direct de chez Gundil. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars. Et n'oubliez pas, la masse. D'ailleurs, dans les commentaires, hashtag la masse.